Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous mes charismatiques. Il est midi, il est l'heure de la parole, il est l'heure de prendre un break pour écouter Caris. Caris est en place, Caris est sur son plateau, et un plateau plutôt de grâce, de miséricorde, de faveur, un plateau où la grâce de Dieu coule. Nous sommes là pour propager la parole de Dieu, nous sommes là pour nous édifier, nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Alors ce midi encore, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais nous demander de partager. Enfin, c'est très important de partager afin que d'autres personnes en profitent. Donc on va faire ça en même temps que vous, ceux qui sont déjà là, ceux qui sont déjà connectés. Donc commence déjà à partager et commence à mettre déjà le cœur aussi, commence vraiment à cliquer, mettre des j'aime et partage. Alors, on le fait ensemble. Le temps que je ne commence. Alors, allez-y. On partage ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Pour que l'évangile puisse aller loin. Si vous ne le faites pas, donc je serai toute seule à le faire. Ça ne marche pas. Donc, nous sommes une équipe. Et une équipe, c'est la force. Amen. Alors, voilà. Juste quelques secondes, allez-y. Abonnez-vous aussi si vous êtes là pour la toute première fois. N'hésitez pas. C'est la bonne parole. Nous sommes, comme on dit au Québec, bonne gang. C'est ça, hein, qu'on dit. Alors, bénissez les gens. Faites du bien à quelqu'un. Partagez, en tout cas, c'est ce qu'on peut faire. Alors, si vous ne pouvez pas être à ma place, tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager. C'est de faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Amen. Ma voix est tellement douce. Ma voix est pleine de grâce. Ma voix est pleine de choses, de choses merveilleuses. Il faut que ça change cette façon de présenter l'évangile. Ce n'est pas tout le temps à venir être sérieuse là, mais des fois, tu sais, le cœur doit être ouvert afin de recevoir. Donc voilà. Alors, merci Seigneur, merci, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie parce que tu as permis que Caris soit là à ce midi pour partager ta parole. Et je bénis toutes les personnes qui sont derrière les caméras, derrière leurs vidéos, derrière leur télé, derrière leur iPad, téléphone pour me suivre. Donc, soyez très attentifs. Et attentif, je ne serai pas trop long, mais j'ai un message pour vous, pour ce midi, un temps de break. Je sais que peut-être c'est midi-là, il faut aller manger, mais écoutez, Caris, c'est encore la nourriture qui vous fera encore beaucoup de bien. Amen. Donc voilà, ces derniers temps, notre pasteur Foufi est en train de nous parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit... Quelques dimanches précédents, il a dit que, voilà, Pasteur Fofi est en train de nous parler, la place qui occupe déterminera la place où Dieu va t'amener. Notre vision de placer Dieu en premier est déterminant pour tout ce qui va suivre. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mois de janvier, nous avons parlé la première place, la parole. Au commencement, c'était la parole. On a parlé de beaucoup de choses qui allaient dans la même direction. Et il est venu, la première fois quand il a commencé à parler, je me disais, est-ce que tu places Dieu à la première place? Au fait, en réfléchissant, je me disais, est-ce que pour moi, est-ce qu'il faut mettre Dieu en première place ou que Dieu puisse prendre toute la place? Pour moi, je me dis, Dieu n'a pas de place. Ça, c'est moi qui l'interprète. Hein. J'ai compris ça à ma façon. Oui, Dieu est en premier. Il doit être en premier en toutes choses. Mais pour moi, je me dis, Suzy, Dieu n'aura pas de première place. Il n'aura pas de deuxième place. Il n'aura pas de troisième place. Il n'aura pas de dixième place. Mais mon Dieu aura toute la place dans ma vie. Toute la place. Je ne veux pas... qu'il soit seulement premier et puis après, je vais mettre quelque chose en deuxième. Non. Même pas mon mari ne sera même pas. Oui, en termes chronologiques, on peut bien comprendre. Premier, deuxième, troisième. Mais pour moi, je me dis, Dieu occupera toujours toute la place. Toute la place, tout l'espace. Ce que je veux faire,
dans mes pensées, dans mes actes, la pensée de Dieu est toujours là. Et je veux que Dieu soit l'objet de mes pensées, si vous me permettez. J'aimerais que ça soit vraiment que Dieu occupe même mes sentiments, même mon corps, même dans mes actes, même dans mes sentiments, même dans tout ce que je peux faire, que Dieu puisse occuper la première place. Que Dieu occupe la place, dirais-je. Bien-aimé, c'est très important. Quand l'homme de Dieu reçoit quelque chose, je pense que nous devons faire très attention et nous devons vraiment suivre à la lettre. Parce qu'il n'a pas reçu ça en vain. Alors moi aussi, Carisse a dit, ça c'est une opportunité. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà que le message de ce midi-là, vite fait, je veux dire que la place qui occupe la parole de Dieu déterminera aussi la place où Dieu va t'élever. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tellement de choses, de bonnes choses que nous devons savoir. Nous allons aller dans Jacques 1, 5, qui nous parle de « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, écoutez-moi ça là, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en lèvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Voilà, voyez-vous que la parole de Dieu, la place où tu mets la parole de Dieu, Dieu dit que tu seras heureux. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, cet homme-là ou cette femme-là sera une personne heureuse. Je recommence mon verset. Celui qui aura plongé les regards dans la loi, donc ça veut dire dans la parole de Dieu, qui est une parole parfaite. La loi de la liberté, car la parole de Dieu nous libère. Et qui aura persévéré dans cette parole, n'étant pas un auditeur oublieux. Des fois, nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, mais après, on oublie. Mais la Bible dit, celui qui persévérera dans cette parole, à croire dans cette parole, à méditer à cette parole, à croire, à avoir confiance à cette parole, cette personne-là, la Bible dit, sera heureux dans son activité. L'activité, c'est quoi? C'est l'activité que tu fais dans la journée. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, c'est l'activité de ta journée. Donc, la Bible dit, tu seras heureux. Celui-là, cette personne-là, celle-là sera heureux dans ses activités. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous garantit. Mais, il y a une condition. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut la mettre en pratique. Et c'est cela, mettre Dieu, mettre la parole de Dieu en premier. Alléluia. Il dit dans le psaume 1, que nous connaissons bien, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Il y a un plaisir dans la parole de Dieu. Il y a du plaisir à étudier la parole de Dieu. Il y a du plaisir à méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es une personne heureuse. Dans tout ce que tu vas faire, dans tes activités. Même si les situations ne vont pas comme toi tu le veux, mais dans ton âme, dans ton cœur, tu es une personne heureuse. Parce que quoi? Parce que tu as médité la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Lui-même en personne, parce qu'il s'est fait chair. Alléluia! Et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. Bien-aimé, en méditant la parole, en lisant la parole de Dieu, peut-être aujourd'hui tu as médité, tu ne vois rien, mais la Bible dit à sa saison.
tu vas voir en sa saison. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et chaque chose a sa saison. La parole que tu médites, que tu rumines aujourd'hui a une saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Tout ce que cette personne fait lui réussit par rapport à cette parole, par rapport à cette parole qu'il médite, par rapport à cette parole qu'il étudie jour après jour. Bien-aimé, ça ne restera pas comme ça. Ça va porter automatiquement des fruits. Mais quand? À sa saison. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Méditer la parole, c'est une bonne chose. Les gens, de fois, dans nos milieux, ils se voient comme « je connais ces versets, je connais cette parole » et puis ils ne la méditent même pas. On vient à l'église le dimanche, c'est comme on amène nos Bibles le dimanche, on l'ouvre, quand on finit le culte, les Bibles se referment et puis on l'ouvrira lorsqu'on sera encore dans le culte. Bien-aimé, donc ça veut dire, si tu n'es pas venu lundi à l'église, tu n'ouvres pas ta parole. Mardi, tu n'es pas là. Tu n'ouvres pas ta parole. Mercredi, à l'école biblique, tu n'es pas là. Vendredi, tu n'es pas là. Et dimanche, tu viens comme si de rien n'était. Et puis, tu veux que Dieu fasse des grandes choses. Non, tu ne l'as pas considéré. Tu ne l'as pas placé en première position. Tu ne l'as pas donné toute la place. Ta semaine, c'était quoi? Tu t'es occupé des choses même que tu fais, que Dieu même qui t'a donné. Dieu t'a fait grâce de te donner même le souffle de vie. Dieu t'a fait grâce de te donner le travail. Mais toi, tu as mis le travail en avant. Toi, tu as mis tes enfants en avant. Toi, tu as mis ton mari ou ta femme en avant. En avant Dieu. Non, ça ne marche pas. Juste une parenthèse, hein? Un témoignage que j'ai toujours donné ici là. Lorsque j'avais eu mon premier garçon, oui, je priais. Oui, chrétienne, oui, mariée, femme du pasteur. À cette époque-là, j'ai eu mon premier garçon. Et puis, vous savez, hein, quand les mamans ont leur premier né, là, c'est comme un bébé. Là, j'ai commencé, oh mon bébé, mon titre, je t'adore, mon bébé et tout. Moi, j'ai pas, oh Dieu m'a béni avec un bébé. Mais mine de rien, j'ai glissé facilement. Et l'enfant a pris la place de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. L'enfant a pris la place de Dieu. OK. Dieu m'a dit, ok, c'est bon. L'enfant, c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant, cet enfant a pris ma place. C'est ok. Un jour comme ça, j'allais au travail. J'avais oublié quelque chose. Je suis rentrée, j'étais encore en appartement. Je suis montée les marches d'escalier. Je suis rentrée à la maison et j'ai laissé la porte ouverte. Donc, je n'ai pas barré. L'enfant est descendu. Comme il voyait en face de nous, il y avait des voisins qui se connaissaient. On se connaissait, on s'est parlé. L'enfant est descendu. Et il a traversé la rue et il y a une voiture qui est venue. Bam! On a attendu seulement dans la maison, moi et mon mari, des freinages d'auto. Hein. Donc, imaginez que c'était, tout était fermé. J'étais au deuxième étage. On a attendu ces freinages-là. Oui! Nous, on a dit, qu'est-ce qui se passe? On sort comme ça. Qu'est-ce qu'on voit en bas dans la rue? C'est notre fils qui était au milieu de la rue. Quand la voiture a freiné, lui aussi, il avait peur, il s'est figé. Donc, il était là, dans la rue. Et puis là, la voiture, ce n'est même pas le chauffeur qui a freiné. Mais on a vu comme s'il y avait la main de Dieu qui a stoppé cette voiture-là. Je vous dis, bien-aimé, là, j'avais, je ne sais pas si, pour ne pas dire de gros mots, mais j'avais la sueur. On ne comprenait pas, nous, on est en haut, on voit l'enfant en bas, on ne peut rien faire, on ne peut pas sauter. Donc, on regarde comme ça là, sur la rue là, comment on appelle ça, le macadam, vous voyez les freinages noirs et ça sortait comme de la fumée, tellement que les freins étaient tellement forts. Et Dieu m'a dit, tu as vu, cet enfant, c'est moi qui te l'ai donné. Et si je veux le reprendre, je le reprendrai très bien, sans même ton consentement. Mais je t'ai montré, parce que là, tu as mis l'enfant à ma place. Dieu est un Dieu jaloux. Bien-aimé, toujours quand je sortais, il y avait des traces de punaises qui étaient là. Et ça me faisait très mal. Je me suis repentie comme un enfant. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit plus jamais. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, attention aux mots. Je t'adore. Non, mon bébé, mon mari, je t'adore. On n'adore pas un humain. On n'adore que Dieu.
On adore que Dieu bien-aimé. En vous relatant ce témoignage, j'ai même des frissons. Parce que ça me ramène encore. Et j'ai appris ma leçon. Pas, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit non, il ne faut pas faire ça. Non. Moi-même avec le Seigneur. Et Dieu est tellement fidèle. Quand tu es en intimité, peut-être il va te laisser, mais il va te reprendre. Même la Bible dit, si tu marches sur une mauvaise voie, lui, il va te ramener. Et Dieu m'a ramené correctement et proprement. J'ai dit, mon bébé, je t'aime beaucoup, mais tu ne peux pas remplacer mon Dieu. Parce que c'est Dieu-là qui m'a donné toi. Et dans quelles conditions? Ça, c'est autre chose. Je passe. Une autre fois, je donnerai le témoignage. Juste pour vous dire que la place que Dieu occupe, cela déterminera là où Dieu va t'élever, là où Dieu va t'amener. C'est très important. Et aujourd'hui, je parle de la parole de Dieu. Où est-ce que tu places cette parole? Parce qu'on ne voit pas Dieu. C'est au travers de sa parole. N'est-ce pas? C'est au travers de sa parole, bien-aimé. Alors, je parle en connaissance des causes. J'ai l'expérience et je sais. Mais moi, des fois là, lire la parole de Dieu, des fois, ça ne me tente pas toujours. Ça ne me tente pas toujours. Je ne vais pas vous mentir pour dire que, ah oui, le matin, le midi, le soir, je suis là. Non, non, non. Mais tout ce que Dieu veut, que tu les places, que tu consultes sa parole. Mais c'est au travers de cette parole qu'il va te montrer la direction. On a parlé de la direction divine, mais c'est aussi au travers de cette parole, au travers de sa parole. La Bible dit que c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. Bien-aimé, médite la parole de Dieu. Ça, c'est une chose. Donc, le premier point, quand tu mérites la parole de Dieu, c'est pour que tu sois heureux. D'abord, que tu sois en paix en toi-même, que tu es heureux. Vous voyez les versets qu'on a lus? Donc, celui-là sera heureux dans ses activités. Gloire au Seigneur. Le deuxième point, c'est avoir du succès. Cette parole donne du succès. Alléluia. Nous allons lire dans Josué 1:8 que nous connaissons bien ces versets. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Bien-aimé, la Bible dit jour et nuit. Médite-les pour agir. Comment? Fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole est utile pour toi, pour ta vie. Alléluia. Et c'est alors là, ça vient après, que tu auras du succès. Alléluia. En méditant la parole de Dieu, jour et nuit, tu auras du succès. Cette parole ne ment pas. Ce n'est pas moi qui est l'auteur de cette parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et tu auras du succès dans quoi? Dans tes entreprises. Quelles sont tes entreprises? Même ta famille, c'est une entreprise. Parce qu'on pense que les entreprises, c'est faire du business. C'est une partie des entreprises. L'entreprise peut être ta famille, comme j'ai dit, tes enfants, tout ce que tu entreprends. C'est bien aimé, c'est très important. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu te donne la réussite. La parole de Dieu te donne du succès. Alors, s'il y a une telle chose, pourquoi je vais négliger la parole de Dieu? Les gens courent vite chez les marabouts, chez les magiciens. Ils veulent aller contourner la parole. Ils disent que ah, la parole de Dieu, ça dure. Dieu, quand tu veux donner, ça prend beaucoup de temps. Qui vous dit que ça prend beaucoup de temps? Chaque chose a sa saison. Alléluia, tu auras du succès. Dans ton mariage, tu auras du succès. À ton travail, tu auras du succès. Dans tout ce que tu fais, tu auras du succès. Tout ce que tu entreprendras, ça va réussir. À cause de quoi? À cause de la méditation de la parole de Dieu. À cause de l'étude. Quand je dis l'étude, donc tu t'assois mot par mot, chapitre par chapitre, verset par verset, tu médites, tu compares les versions pour que tu aies l'illumination. La parole de Dieu, tu illumines et tu donnes du succès. Alléluia! Donc, en persévérant, en ruminant, en mâchant la parole de Dieu, tu auras du succès. C'est alors, la Bible dit, que tu auras du succès. C'est après avoir médité la parole de Dieu, c'est alors qu'après avoir
étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est ainsi que tu auras du succès. Amen. Alors, le troisième point dont je parlais, de point, être heureux, et de deux, avoir du succès, et la troisième, la parole va t'aider à rester inébranlable. Quand je dis inébranlable, inébranlable, il y a des choses qui nous arrivent quand tu n'es pas soutenu par la parole de Dieu, tu ne pourras pas. Je vous dis ça, en connaissance de cause, tu ne pourras pas. Facilement même, tu peux glisser, tu peux même renier la parole de Dieu. Tu peux renier facilement Dieu. Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi, si c'est comme ça là, en tout cas, bye bye. Et c'est ça qui nous arrive. Je peux te comprendre, peut-être tu traverses des moments difficiles et tu ne vois pas une porte de sortie. Laisse-moi te dire, cette parole ne ment pas. Il est véridique. Il est vérité. Tout homme soit reconnu pour menteur, mais seule la parole de Dieu soit reconnue pour la vérité. N'est-ce pas? Si vous venez de rentrer maintenant, partagez, mettez les cœurs, envoyez-moi, je ne sais pas, des cœurs, et faites du bien à quelqu'un. Dis-lui, Caris est en ligne. Caris est sur son plateau. Elle dit de bonnes choses. Alléluia. Alors, n'hésite pas, fais du bien à quelqu'un. Donc, restez inébranlable. En étudiant la parole de Dieu, tu vas rester inébranlable. Ça, je suis sûre et certaine. Alors, Matthieu 7, 24. Nous allons parcourir ces versets et puis on va clôturer. Amen. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met comment? En pratique. Tu entends? Tu les mets en pratique. Les premiers épisodes, je parlais de l'obéissance. Tu écoutes et tu entends, tu mets en pratique. Ça veut dire tu obéis, tu le mets en pratique. Amen. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà. La pluie est tombée, la pluie. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. Donc, toutes sortes de choses sont arrivées. Les vents, les tempêtes, les torrents sont tombés sur cette maison. Cette maison n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est quoi? Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est la parole de Dieu. Alléluia! N'est-ce pas? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais quiconque, la Bible dit, quiconque attend ces paroles que j'ai dit, et ne les met pas en pratique, écoutez-moi bien, qu'est-ce qui va arriver? Sera semblable à un homme insensé. Un homme insensé, comment? Qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a des sables ici qu'on appelle les sables mouvants. Ces sables-là, même si tu ne bâtis pas la maison, quand tu marches là, ça ne te fait pas marcher, ça te fait tourner, ça te fait même avaler. Et ce n'est pas bon. C'est la Bible décrit. Voilà-moi comment la Bible est tellement sage. Il décrit cette personne qui ne médite pas la parole. Comment elle va être? Il sera, s'il ne pratique pas la parole, quand sera venu les problèmes, les situations, les difficultés, la maladie, toutes sortes de choses. Cette personne est, la Bible l'appelle, un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Et voilà, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été comment? Grande. Alors, de toi et moi, qu'est-ce que tu préfères? La mettre en pratique ou pas? Qu'est-ce qui est mieux? C'est lire la parole et méditer la parole, étudier la parole de Dieu? C'est ça que Dieu conseille. Parce que si tu ne médites pas, regarde ce qui va arriver. Et comme je dis, mon troisième point, c'est rester inébranlable. Quand tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu, sur la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, cessons, tu te crées des racines. Alléluia. Tu te crées des racines en méditant la parole. Comme nous avons lu dans les psaumes 1, que cette personne il est comme un arbre planté près de courants d'eau. Cette personne-là tire des racines. Et ces racines, ça va vers l'eau. L'eau qui est la parole de Dieu. Et ça te donne la force. Ça te donne, ça te fait une femme, un homme inébranlable. Quand bien les situations vont arriver, toi tu es déjà, tu es déjà fort, tu es déjà inébranlable.
tu es déjà, que ça vienne comment, tu ne peux pas être avalé par le sable mouvant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un là où tu es là? Bénis le Seigneur, parce que Caris est en train de te parler avec des grâces, que tu comprennes que la parole de Dieu, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas, parce que notre vie en dépend plutôt. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici là. Quelques brefs paroles versées qu'on a lues, hein, qu'on a partagées avec vous. Donc, on a lu Jacques 1:5. Méditez après avoir fini, ta pause est finie. Le soir, quand tu vas rentrer à la maison, mets-toi. Peut-être il y a des choses que je n'ai pas pu dire. Peut-être il y a des choses que je n'ai pas pu expliquer. Mais le Saint-Esprit qui est en toi va te révéler encore des choses. Voilà, notre Dieu est fidèle. Est fidèle à sa parole. Et quand il dit une chose, il accomplit. Et soyez bénis en ce moment spécial. On est encore au début de l'année. Oui, janvier, février, mars, c'est le début de l'année. C'est le premier trimestre. Donc, des fois, on se cherche. Mais dis-toi que notre leader, notre papa, comment il nous a prêché de mettre Dieu en premier. Et moi, je me dis, mettre Dieu, que Dieu puisse prendre toute la place. Je vais m'arrêter ici. Je vais te déclarer et je vais prier pour toi. Si tu as baissé les mains, si tu ne médites plus la parole à cause des événements, laisse que ce Dieu-là puisse te relever. Laisse que ce Dieu-là puisse te restaurer. Laisse que ce Dieu-là puisse te donner la soif. La Bible dit « Comme une biche soupire après le courant d'eau, c'est ainsi mon âme soupire après toi. » Que tu soupires après cette parole. Que tu soupires après cette parole qui te rendra heureux, qui te donnera du succès, qui te rendra inébranlable. Voilà. Que Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu, le Dieu de Caris, le Dieu de Suzy Ndelo, qui te fasse du bien, qui te soulève encore, que tu aies encore plus confiance à cette parole, que tes regards soient plongés sur cette parole véridique, cette parole qui ne ment pas, cette parole qui renferme tout ce qu'il a fait. Par sa parole, il créa. Et moi, je crois que je le déclare, que ta vie change à partir de ces paroles, au nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, on se dit à bientôt, à vendredi prochain. Que le bonheur et la grâce du Seigneur t'accompagnent tout au long de ta journée, tout au long de la semaine, tout au long de cette année 2024. Que 2024 te donne le meilleur, que 2024 te fasse du bien, qui fasse luire ta face et que tu puisses voir les choses que tu n'as jamais vues, que tu puisses toucher les choses que tu n'as jamais touchées ou que tu pensais toucher, mais que cela soit palpable au nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup. Merci pour toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et puis, à très bientôt. Voilà. Suzy Ndelo, je vous aime beaucoup.